Bambi wale duwanyi nole bakau Duwan tega nakarapodile Duwa musantale tipaka Duwa bambi wale duwanyi nole bakau Duwan tega nakarapodile Duwa musantale tipaka Bakamu ba jamale monta sawantelo alama banko sumala Bakamu mankono bakamu sumundu bakamu dasila Akilo sinabula bakamu batanja suna karantaba Baba mu bakamu nkole tide muri ninkala bakamu Baba ve paka un colo Allez, toujours dans cette deuxième partie, oui, comme on est toujours dans Fassa, c'est le week show, comme tous les samedis. Donc, il s'appelle Lamine Sissoko, oui, qui vous disait comme ça bonjour, parce que les musiciens, parfois, donc, de Nino, affaire you nice. Donc, surtout, aujourd'hui, on a invité Kia Sakora. Bonjour, Lamine. Bonjour, yeah. Ok, Lamine Sissoko, Sénégalais, natif d'où? Casamance. Ziguinchor. Donc, Taïwa Ziguinchor, nyo aé. Ok, vous avez joué un titre tout à l'heure, Mui Pakao. Pakao, ouais. D'où même le nom de cet album que j'ai. Donc, mon album, c'est l'album que vous avez joué dans le voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Pakao? Et Pakao, ça veut dire le village natal de mon papa. Et c'est Casamance. Wow, c'est village la ville où il y a beaucoup de bénédictions. Ok. Comme Fumuton, les plus nuls d'Afrique, Nyan Bach Nassidal. C'est moi qui j'ai rendu hommage au village natal de mon papa. De votre papa. Voilà. Ok, Lamine Sissoko, fille du Dou, fille de Yaro, fille de Magué. Fille de Yaro, fille de Magué, donc fille de fait enfant ensemble, a que débuté fille musique B. C'est je ne me trompe. Comment est-ce que tu as dit? Moi, voilà, je suis sénégalais comme nous l'avons dit. Et puis, voilà, j'ai judo Ziguinchor. Un peu la Cora, donc Gadef Koni, Gaï Gis Lamine. Voilà, déjà c'est gravé LC. LC, Lamine Sissoko. Voilà. Et légui, moi, ce que j'ai musique, c'est voilà, Gawel là. Et pourquoi Gawel, donc j'ai commencé depuis bas âge. Hein. Comme je suis né dans la famille Griot. Et de père et mère. Et voilà, j'ai fait la musique, j'ai travaillé comme musicien durant toute ma vie. Et après, j'ai eu l'occasion d'aller en Europe, en Suède. En Suède. Voilà, là je vis en Suède, ça fait 10 ans. Et voilà, là où j'ai travaillé avec beaucoup de différents musiciens européens, et des musiciens folkloriques et voilà, modernes et tout.
Et voilà, après j'ai eu l'occasion de faire cet album. Qui a été fait en Autriche. En Autriche, le 3 juin passé. Okay. L'album est disponible. Ok. Donc depuis le 3 juin, vous avez donc sorti cet opus, Mui Pakao, voilà, de Lamine Sissoko. Lamine Sissoko, bien comment c'est fille quand vous étiez là au Sénégal. Donc vous avez commencé ici la musique carrément, ou bien là vous étiez en train d'apprendre un petit à petit avec peut-être votre entourage, vos parents, vos amis, ou bien? Ben, c'est comme je te le disais, c'est la musique, c'est on apprend toujours, tu vois, et que voilà, j'ai appris et j'apprends aussi toujours, et je veux apprendre encore et apprendre encore, et ça fait que j'ai appris la musique durant toute ma vie, et aujourd'hui ñi santiyalla liñu mëna jouer manam li nga xamanteni ñu koy jang, et je l'ai appris la kora qui j'ai joué aujourd'hui, je l'ai appris avec mon papa. Ok. Et mon papa a appris la chorale avec son papa. Et c'est, voilà, c'est de génération à génération. Ok. Tu vois, et ce qui fait, depuis ici au Sénégal, en Casamance, je vivais comme musicien. Et après, j'ai eu l'occasion, comme je te l'ai dit, je suis parti en Europe. Okay. Et là, je vis aussi en Europe comme musicien. Comme musicien. Et voilà, c'est pourquoi, dès que je reviens au pays, je veux vivre aussi au pays comme musicien. Ok, la musique que vous faites un peu d'afro ou bien un peu typiquement musique traditionnelle? Ouais, je fais les deux. Hein. Ok. Et comme la kora est typiquement traditionnelle et aussi que vous voyez la kora que j'ai, il est fait des clés métal et tout. Ce qui veut dire qu'il est un peu, bon, il est mélangé. Et avec des clés, c'est des clés de guitare, quoi, tu vois. De guitare, ouais. Nous, chez nous, normalement, les choras se font avec des anneaux de peau de vache. Et comme c'est des clés, alors là, il y a une autre sonorité qui est plutôt entre l'acoustique et le moderne. Le moderne, ok. Et voilà, c'est aujourd'hui, je fais de la tradition et je fais aussi un peu de jazz. Un peu de tu jazz. Vois, parce que j'ai joué avec des, comme je l'ai dit, des différents musiciens européens. Et comme jazz bi dans la commune la Bayako, c'est commencement bi. Et aussi moi je me suis inspiré et je joue du world music. Dans ce world music j'ai appris aussi de pouvoir connecter le voilà ma musique traditionnelle pardon, qui peut rencontrer des musiciens européens pour faire les mêmes tonalités. Les mêmes tonalités, ouais. Donc les mêmes sonorités. Et pour la calebasse aussi, parce que c'est anoui, vous avez parlé des anneaux. Mais la plupart, ben, si je ne me trompe pas, parce que la fois passée, j'en ai vu aussi. Donc ça, c'est une petite calebasse par rapport donc, à toutes les choras, tous les choras, les choras que je vois. Ouais. Ça, c'est une petite calebasse. Ouais, ça, c'est, ouais, pourquoi c'est vraiment... pas une grande calebasse, ben, sinon une grosse calebasse. Voilà, ça, moi, je peux, si tu veux, je peux l'appeler chora électrique. Hein. Électrique. Voilà, vous voyez ici, il y a tous les équaliseurs, tu vois, les microphones ici, là. Tu vois, ce qui fait, tu vois, j'ai besoin juste d'un jack et puis j'ai le son en live. Okay. Tu vois, okay. Et il est électrique, il est équipé intérieurement avec des microphones. Okay. Et cette chora a été faite en France. Tu vois, a été faite en France avec Javier, un de mes amis français qui a des diplômes, qui fait des choras, des gonies, beaucoup de différentes sortes d'acoustiques. Okay. Tu vois, mais plutôt un peu européen. Et le style que vous développez, ça se passe comment en Europe? C'est bien accueilli ou bien ça reste toujours? Ben, le style est vraiment bien accueilli parce que, comme je te dis, les Européens avec qui je jouais, et c'est des bons musiciens, c'est des grands musiciens. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui a fait. Là où je joue, surtout en Suède, l'Europe du Nord, et ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de traditionnelles musiques. Et leur traditionnelle musique se correspond bien avec notre tradition. Et au Sénégal, Bimfinyo et Boulégui, sinon, je pense, Dang Fidonio aussi, entre-temps. Voilà. Et comment ça se passe ici au Sénégal? Donc, le style que vous prenez aussi, comment les gens l'accueillent, Nakala Deme, est-ce qu'ils t'en mettent à faire Mongi place comme il faut? Ningkoya Karewon au Sénégal, est-ce que ça se passe très bien? Et Dieu merci. Et je pense que le Sénégal, c'est plutôt, bon, si je veux te parler de la musique, c'est plutôt
il faut d'abord dire le mbalakh, quoi. Le mbalakh, tu vois, qui est toujours. Et voilà, et voilà, c'est en ça, fait, ouais. c'est le mbalakh qui a dominé. Mm. Et au dehors du mbalakh, il y a aussi d'autres musiques qui sont aussi vachement intéressantes. Mm. Moi, je peux te faire du mbalakh, comme je suis sénégalais, au début même, je jouais du sabar, je peux jouer du sabar. Okay. Comme je parle wolof aussi. Si on est né au Sénégal, c'est voilà, j'ai des amis wolof. Et mbalakh bi mom dañ ko man ba paré légui man ce que je fais c'est voilà c'est venir avec l'afro comme on est africain. Mm-hmm. Mbalakh c'est afro au okay. début mbalakh c'est afro comme c'est les africains qui le jouent. Mm-hmm. Tu vois et ben, moi je viens avec une autre style okay. qui est aussi un peu tu vois c'est plutôt afro jazz groove afro jazz yeah okay tu vois je fais okay. du groove je fais de l'afro parce que dans ma musique tu voilà tu découvres qu'il y a plein de différents styles. Mm-hmm. Tu vois qui te donnent de différents sentiments. Mm-hmm. musicaux parce que comme la musique n'a déjà pas de frontières okay. tu vois et on peut faire tout avec son instrument. Et voilà, là je suis fier de papa qui m'a donné cette occasion c'est de pouvoir voilà. jouer la kora. Ok, et là vous êtes avec votre groupe au Sénégal, sinon un groupe que vous avez à l'étranger? Ouais, j'ai un groupe à l'étranger et j'ai un groupe qui est basé à Ziguinchor, en Casamance. Ouais, c'est donc, mes frères, mes cousins, mes amis. On a formé un groupe qui s'appelle Kaira. Kaira, ouais. Ici au Sénégal, à Ziguinchor. Okay. Et le Kaira, c'est, en mandingue, ça veut dire la paix. La paix. Et okay. comme voilà, on rêve toujours que la paix revienne chez nous, mm-hmm. et ben voilà, plus particulièrement partout dans le monde entier, entre des amis, ben voilà, c'est la paix qui on veut qu'il revienne. Ok, surtout donc en Casamance. Voilà, surtout. Ok, Lamine Sissoré est notre invité voilà, de cette matinée. Comme en cette matinale de Week Show, on a l'habitude d'accueillir sur ce plateau pas mal d'artistes. La musique aujourd'hui donc, est pleine d'ouverture. Donc, elle est vraiment pleine d'ouverture. C'est pour cela, ben, là, vous faites de la world. À l'étranger, vous jouez de la world. Mais quand vous venez au Sénégal aussi, est-ce que vous allez maintenir toujours ce style que vous jouez donc, à l'étranger? Ou bien vous allez essayer de retrouver donc ce que vous avez comme un peu de plus rythmé parce que là-bas donc avec la wood c'est plus cool. Mais si vous venez au Sénégal, est-ce que vous changez de style ou bien vous maintenez le même style que vous jouez en Europe? Non, pas exactement parce que c'est les deux mondes, voilà. Et l'Europe a ses styles. Europe, ça, c'est surtout l'Europe, la partie où je vis, mais plus calme encore, okay. et plus froid encore. Et ce qui fait la musique, tu vois, il faut faire la musique qui est tranquille. Mm. La Suède, tu okay. vois, il fait froid. Et lorsque on vient au pays, là, on est obligé, si je te dis encore une fois, parce que des fois on joue des concerts, les gens, tu vois, tu joues de l'afro ou de reggae, les gens ils sont là, tout le monde est là, assis. Cool. Ouais, ouais, ouais. Et puis, paf, il y a le mbalakh, il y a les sabars qui jouent, et puis tout tu vois les femmes danser du yuza, là, je sais pas. Et tout. Et ce qui fait plaisir, tu vois, c'est joli. Ok. Moi, j'adore. Surtout j'adore. Retrouver son pays j'adore encore, vraiment. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ok, votre séjour au Sénégal, vous avez donc l'album Pakao sorti en 2011. Voilà. Sorti en 2011, vous êtes en phase de promotion. Exact. Actuellement, vous avez tourné déjà des vidéos. J'ai des promotions de vidéos avec les managers et tout. Mm-hmm. Et voilà, c'est possible que vous receviez ça. Ok, ouais. Très bientôt. Absolument. Ok, c'est une sortie nationale ou pas encore? Il est international. International. Il est international, mais d'abord au Sénégal, et le CD n'est pas arrivé, mais dans, comment dirais-je, last.fm, okay. Online shop. Internet, yeah. Voilà, okay. Online shop, tu peux l'acheter, mais partout dans le monde, tu peux l'écouter par Internet. Par Internet. Tu peux l'écouter dans last.fm au Sénégal, et par iTunes, Amazon et Deezer, c'est la France. Mm-hmm. Tu peux l'écouter dans l'internet partout dans le monde entier. Et pourquoi pas une sortie ici au Sénégal? Mais voilà, c'est la bonne question. Merci. C'est comme je te dis, il faut les portes quoi. Il faut vraiment que les gens écoutent ça et okay. que moi je suis le cœur est là. Je suis en Europe, mais mon cœur c'est ici chez moi, mm-hmm. c'est au Sénégal. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai vraiment pensé à mon pays. Mm-hmm.
et mon pays c'est le Sénégal. Ici on est dans la capitale et je suis plutôt né et grandi dans la verte Casamance, mm-hmm. mais c'est Sénégal ben bop le dal, tu vois. Ben bop le ken mon ko xarña. Et là, toutes les chansons sont en mandingue, je ne sais pas. Il y a même une chanson qui est en Wolof, Goré. Goré. Là que j'ai rendu hommage à l'île de Goré, mm-hmm. par exemple, qui est chantée en Wolof. Mm-hmm. Et aussi, qui j'ai invité un Indien mm-hmm. qui est connu mondialement, qui a joué, qui a participé dans Goré. Dans Goré, Mahesh, ok. Mahesh Vinayakram, il est connu mondialement. Mm-hmm. Et là, vous ne chantez qu'un mandingue, parce que là, vous avez touché donc un titre, un seul titre Wolof. D'accord. Hein? Ouais. Bien vrai, c'est la langue nationale. Mm-hmm. Donc, vous avez joué un titre Wolof mm-hmm. et toutes les chansons, tous les titres sont en mandingue. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas en français, en anglais, en Wolof, en Djola, je ne sais pas quoi, voilà. En multi pot. Moi, je pense que dit que l'ingo donne mon gars et Bako. Ok. Tu vois, je parle couramment le Wolof. J'ai rien contre le Wolof. J'adore le Wolof. J'ai des parents, j'ai des amis, des bons amis Wolof. Mm-hmm. Et que je me sens plutôt à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la musique que tu le fais, il faut que tu te sens à l'aise. Tu vois, il n'y a pas de demi, tu vois, demi-mesure. Demi-mesure. Voilà, exact. Et en mandingue, je peux dire tout ce que je veux. Mm-hmm. Tu vois, je peux dire vraiment tout ce que je veux parce que c'est la langue où je me sens, tu vois, plus à l'aise, tranquille. Et le Wolof, je l'ai chanté dans Goré. Mm-hmm. Et voilà, j'ai même demandé des gens qui parlent bien Wolof. Même si je parle couramment Wolof, ouais. mm-hmm. mais quand même, il faut demander pour avoir des bonnes idées. Mais jusque-là, je crains un peu, est-ce que j'ai bien chanté bien chanté en Wolof. Voilà, c'est ça, mais ça passe. Il y a des Wolofs qui ont écouté, qui m'ont beaucoup félicité. Mm-hmm. Ce qui m'a fait vraiment plaisir. Et en tant que Sénégalais, je me dis pourquoi pas dans l'album, même s'il ne serait un titre mm-hmm. en Wolof. Quoi. Ok. Et là, je vous rappelle encore une fois, c'est notre invité, le temps qu'il nous joue un autre titre, un super titre. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez nous jouer comme titre? Voilà, merci. Là, je vais vous jouer le titre Djalikunda. Djalikunda. Tu vois, moi, comme les malheurs, les gens donnent, mon gars, Bako. Bako. Voilà, Djalikunda, moi, c'est la famille Griot. Hein. Mm-hmm. Djalikunda, c'est en mandingue. Et il y a même un titre Djalikunda sur l'album. Mm-hmm. Et voilà, comme je suis né Griot, et moi, pour vraiment clôturer, je dis vraiment merci. Mm-hmm. Et je vais vous jouer Djalikunda et merci à papa et merci à maman mm-hmm. que vraiment que je suis là aujourd'hui, je suis fier avec cet instrument. Don, voilà. Et, voilà et là, je vais vous faire Djalikunda et puis merci aussi DJ Gilles. Ok, pas de problème. Voilà. Malima Djalikunda Golo Ali nusumun Djalikunda koluo, Ali nyomuta Djalikunda koluo Djalikunda. Ani mobe ka foila boro tutu bore nyomalo manyonane. Ani badu falu ba foila jalo tulwa Djalikunda manyombuna. Mo kawulu le imanden jikala badimalu ganyonane mbali ma Djalikunda lamin binambali se wonde ye badia tuma sirana mfao yena natanse wonde muna fonse kambe ngabadia de ye badi malako bunya kanyu yena baile ala baro jonte otiere mansa kalanke
Voilà, de la chorale, c'est ça, hein? Ben, super, super. Allez, avant de partir, vous allez nous parler un peu des projets. Parce que là, déjà, il y a la sortie de l'album, il y a la promotion. Et quoi d'autre? Il y a des projets aussi d'échanges culturels qui j'ai entamé cette année. C'est fini même il y a une semaine. C'est avec la Suède et le Sénégal. Okay. Et j'étais venu avec des musiciens, des jeunes talents de 19 ans à 23 ans, tout. Et c'est des jeunes, c'est sont mélangés, des filles, des garçons, et qui ont été ici chez moi à Ziguinchor, qui ont travaillé, qui ont eu le temps de bosser intensive avec les musiciens, des jeunes talents avec qui je travaille aussi. Ça veut dire le Kaira Group. Voilà. Okay. Et les Suédois, ils étaient au nombre de 13 personnes, 13 musiciens. Et je les ai fait beaucoup de tournées dans la sous-région. Et puis ils ont fait des concerts. Ils ont fait le dernier concert à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, qui vraiment a été vraiment beaucoup aimé. Que le peuple a été là et les gens ont beaucoup aimé. Et c'est des projets que je veux continuer parce que, en tant que musicien, je veux faire nourrir la culture chez moi, faire venir des Européens de l'Europe, pas seulement à la Suède, mais partout dans l'Europe, et les faire venir chez nous. Chez nous. Ouais. Et avant de partir, quel sera votre, je ne vais pas dire dernier mot, mais quand même un mot que vous allez donc dire à nos très chers téléspectateurs, sinon à toute la population sénégalaise qui vous regarde en ce moment? Et moi, je vous dis avant tout, merci DJ Gilles. Pas de quoi. Et merci à tout le staff de Wolf. Et ça fait vraiment plaisir. Et aussi, merci, comme je te dis, papa et maman. Papa et maman. Et parce que aujourd'hui, si je suis là assis et parler avec toi, c'est à cause de cet instrument. Et je suis fier d'être griot. Et aussi, comme à tout le Sénégal, tout le Sénégal qui nous écoute et à tout le Sénégal qui aime sa culture, sa tradition. Parce que voilà, c'est Tchossan mom moy li nga xamantene mom lañu wala mëna bako même buñu nekké fu nek ci aduna dal. Voilà, moi je vous remercie. Et je vous dis encore une fois, je suis de la Casamance et je dis à tous les Pakao merci et que ñaan bi la soxla. Ok. Wow. Nyan bi Pakao, toute la Casamance et pourquoi pas fep fu ñaan mëna nek dal. Tu vois, et puis di nan rek vraiment nañu mayante ñaan que na jam aussi dal aussi suñu biir. Ok. Amen. Allez, merci à mes téléspectateurs. On se retrouve pour un autre week, toujours dans Week Show. Ce sera samedi prochain, Inch'Allah.